Bonsoir et bienvenue chez Palf. Bonsoir. Aujourd'hui, on va jouer avec du decay. Certes. Et beaucoup de reverb. Voilà, vous l'aurez compris. Avec Antonin, aujourd'hui, on va comparer des reverbs dans le contexte d'une basse. C'est parti. Antonin. Oui. Est-ce que tu es un grand utilisateur de reverb ? Parfois. Grand, non, mais alors j'aime bien faire de l'ambiance. Ouais, ok. J'aime bien faire de l'ambiance, j'aime bien parfois, plutôt que d'utiliser des synthés, par exemple, pour faire des pads, plutôt ouais. travailler ces textures-là avec des guitares, avec des basses, et du coup, ouais. avec du delay et de la reverb. D'accord, ok. Voilà. Mais donc du coup, la reverb, toi, c'est quelque chose de principal ou c'est plus un petit à côté au mix ? En tant que bassiste, c'est soit... alors, ça m'arrive d'utiliser de la reverb à la basse au mixage, justement, pour ajouter un effet comme si de room, comme si la basse était okay. dans une pièce pour l'intégrer ouais. dans un ensemble. Là, c'est pas le sujet. Non, là, c'est pas le sujet. C'est un effet à part entière qu'on là, va voilà. pousser à l'extrême. Mais toi, dans ta manière de l'utiliser, c'est plutôt calme, en général. Non, j'aime beaucoup aussi faire des grosses plages d'ambiance avec okay. des reverbs, du delay. Tu vois, comme je te disais, j'ai. T'as quoi comme reverb par exemple que tu as poussé ? Bah, la Afterniff de Sheriff Quaker. Ah oui, c'est vrai, ouais. Voilà. C'est quoi ? C'est avec shimmer modulé et tout, non ? Alors, c'est pas shimmer, non. mais c'est très. C'est une reverb avec des délais en cascade. C'est comme ça des délais en cascade. Voilà, c'est comme très ça bien. Qu'il présente le truc. Ok, ok. Voilà, j'aime c'est beaucoup. Bon ça. J'aime beaucoup ça et. Voilà. Ouais, en fait, c'est une reverb qui ne reproduit pas d'événements physiques bien non. foutus. Non. C'est des delays en cascade, donc c'est-à-dire qu'au niveau de la programmation, ils ont dû faire un truc un peu lo-fi, un peu cassé. Pas tant que, pas tu tant peux, que ça. Tu peux choisir. Tu peux faire une reverb vraie. Un côté lo-fi. Ouais. Mais sinon, non, t'as, en fait, t'as vraiment une belle reverb. Ah ouais, c'est un truc hyper ambiante, hyper. Okay. J'ai jamais essayé en fait jusqu'à présent. Elle est trop bien. Je te la okay. ramènerai la prochaine fois si tu veux. Avec plaisir. Ouais. On a un peu pour tous les budgets, toutes les utilisations, on a des pédales qui se regroupent. Qui se ressemblent, on va dire plutôt. On a beaucoup de Walrus. On a beaucoup de Walrus. Ouais. Pour moi, Walrus, Reverb, c'est quand même un truc bien, quoi. Ouais, de ce que j'ai découvert récemment. C'est un peu leur truc. Ouais, c'est top. C'est un peu leur truc. On a aussi de la Mooer, la R7, que j'avais utilisé dans la vidéo des Falls avec Thibaut, de ouais. Guitar Plug and Play. C'est une très bonne reverb pour le petit budget, c'est-à-dire ouais. ça fait le taf. Bah, ils font du très bon boulot, Mooer. Donc, Il y a du 7 mode. Bon, c'est pas quali comme les autres. Mais ouais, ça le fait. Mais... Ça le fait. Ça coûte combien ? Je crois que ça, celle-là vaut 80 balles. Ouais, voilà. Voilà. Bah, les Fatom et Slough, c'est 180. C'est quand même plus du double. C'est plus du double, mais sur un petit prix, tu vois. C'est, oui, c'est le prix d'un overdrive, c'est ça que je veux dire. Oui. Et ça te fait des sons de dingue. Mais 80 balles, tu peux en acheter 2 ou 3. Ouais, mais... Ouais. Voilà. C'est pas forcément mon état d'esprit. Je préfère mettre un peu plus et avoir le truc oui, qui correspond. Peut-être que eux, ils ont envie de tester plein de trucs et qu'ils peuvent acheter du coup quand on démarre, le, ouais. la reverb, le délai, le synthé de chez Mooer qui est pas mal aussi. Ouais, ouais qui est vraiment je cool. Je connais pas jamais essayé. Et à côté, on a la Caverns. Ouais, qu'on de a testé au Beffroi. Ouais, qui fait reverb et delay. Ouais. C'est très bien, ça fonctionne. On a trois types dit, de ouais. reverb, ça fonctionne bien. Et le gros morceau là, la grosse Bertha là. La R1. La R1, ouais. ouais. Mako bah, R1 donc. Que je découvre là. Je découvre là aussi. Et déjà le design est beau, ça sent la qualité. C'est beaucoup plus joli que la D1. Ouais. Ouais. C'est la même forme mais la couleur noire je préfère. Ouais. Et ouais par contre niveau fonction c'est un c'est ordinateur un le truc. Ouais, ouais c'est un gros morceau. Ce qui a l'air cool avec celle-ci c'est que autant on sent que voilà la Kille et la Mooer sont plus typées reverb traditionnelles. Oui. Même si elles peuvent faire d'autres choses, mais en tout cas elles sont bien là-dedans. La Fatom et la Slu sont plus typées reverb d'ambiance. Ouais. La R1 a l'air d'être très bonne partout. Elle est censée faire tout. Ouais. Elle est censée faire tout. Alors et après. Bien, et être bien partout. En tout on cas. Va voir. Ouais, on va voir. On va voir. Je reste quand même persuadé, tu vois, quand on parle de reverb à ressort, pour le coup, je connais. Ouais, mais les reverb à ressort. C'est un monde à part. C'est toujours mal foutu. En pour pédale, moi, ouais. c'est ça, voilà. En pédale. Mais par contre, une plate ou une hall, ça devrait être bien fait. Ouais, ça voilà. devrait être bien fait. C'est vrai que, en fait, la reverb qu'on a mis sur ce board, il faut pas l'apprivoiser comme une vraie reverb. Il faut l'apprivoiser comme un nouvel effet.
ça reste une vraie réverb pour moi. Non, réverb, mais dans le sens... Oui, dans le sens où ça crée pas un phénomène acoustique. C'est ça, voilà. Là. Tu vas pas chercher à reproduire le phénomène acoustique parce que là, ça va être raté. Tu vas chercher plutôt à donner une ambiance. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on retrouve vachement chez Walrus. On va voir chez les autres comment ça répond. Alors, on commence par le moins cher. Le moins cher. Allez, la Mooer. Il y a 7 modes. Je vais allumer, ça met sur la 7, donc le reverb modulé. Ok, donc niveau réglage, c'est assez simple. On a un high cut, un low cut, on va pas y toucher. Ouais, j'ai mis à 0 le high cut. Ouais, très bien. Decay, je l'ai un peu poussé. Ouais, vas-y, on va voir ce que ça donne en ambiance. Pré-delay, 0. Ouais, on s'en fout là pour l'instant. Et on a du level. Voilà, donc voilà. Écoute. Donc on a juste mis du level et du decay. Donc là on est direct dans une DI, il n'y a pas de simulation d'ampli, il n'y a rien. Ah t'as pas mis la simulation? Non, je préfère ça pour avoir vraiment toute la texture bien toute appréciée. Toute la texture, vas-y. Bah ouais. Vas-y. Alors sans la simulation, c'est bien. Hein. Si on pousse ça... Tu peux mettre le ticket à fond. Ça le fait, hein. C'est ce que j'avais dit à Thibaut quand on l'avait essayé. Si tu la règles bien, t'arrives à en faire un truc cool. Viens, on teste d'autres modes. C'est comme tout, il n'y a pas de miracle. Hein. Si tu sais utiliser tes doigts, t'arrives à en faire des belles choses. Hein. Ah mince. Vas-y, un petit dernier. Play to Spring. Bon, là, Play to Spring, moi je... Enfin... Spring, on sait que c'est mort. Ouais, vas-y. On testera quand même juste après. Non, tu fous. Ah, vite fait. Tu sais que c'est mort. C'est le pré-dilet, fais voir 100. Le son est un petit peu plus noyé. Ouais. En fait, ça manque juste d'un mix, au final, pour vraiment... si on voulait vraiment avoir la reverb tout en fond et garder... Tu peux, hein. Ouais. Tu peux baisser, regarde, tout en fond, je te baisse un peu le level, je te cut des highs. Bien. Voilà, tu cuts un peu les aigus, j'ai rien dit. Tu baisses le mix. J'ai rien dit. Non, en vrai, elle est redoutable. Et ils ont sorti la version R7 X2 que je vais commander. Apparemment, t'as deux foot switch, je sais pas à quoi ils servent. Ok. Mais voilà. Bon, chapeau. Ouais, 80 balles, allez-y. Ouais. Si tu démarres, t'as pas trop de budget, tu veux quand même t'offrir une pédale de reverb, ça le fait. Ouais, carrément. On passe à la Caverns, ouais. Qui est un best-seller de Killay. Parce qu'en gros, je sais pas si t'as vu chez Earthquaker, pareil, ils ont une pédale, je me rappelle plus du nom parce que je l'ai utilisé il y a super longtemps. Pareil, c'est delay reverb dans une pédale. C'est pas la Avalanche Run? Non. Enfin, sûrement, oui, il y a la Avalanche Run qui fait ça. Mais en plus petit, ils ont une pédale qui a cartonné il y a 5 ans. Ah, la Dispatcher. La Dispatch Master. Trop bien. Dispatch Master. C'est trop bien. Le seul souci de la Dispatch Master, c'est que t'as un foot switch qui engage reverb et delay. Ouais. Là, t'as deux foot switch. Je pense que t'as raison, la Avalanche Run, ça doit être pareil, tu dois avoir deux foot switch.
Oui, mais je crois que ça doit être genre pareil, comme sur les... Un peu pété, ouais. Ouais, genre un truc de sustain ou quoi. C'est ça. Qui est super. Là, et ça, c'est vrai que quand t'as pas trop de budget, mais qu'en même temps tu veux un delay, une reverb quali, ça te permet d'avoir les deux dans une pédale, moins d'encombrement, moins de budget. Ouais, ouais, parce que je crois que t'es dans les 200, 220, 230, je sais plus. Et donc, c'est pas les meilleurs delay reverb que j'ai entendu dans ma vie. Mais ça fait le job. Mais ça marche vraiment. Ouais, ouais. Donc, pareil, un modulé. Qu'on avait avec la basse, avec les micros doubles, on a cassé l'algo là. Bah, on a cassé la carte son, je sais pas, mais ça le fait, hein. Bah ouais, ça le fait grave. Bon, il y a un mode spring, à mon avis, on va pas s'éclater. Vas-y, essaye, essaye. J'ai rien dit, ça ouais, le fait. Ouais, ça fait le job. Pour les trucs justement plus traditionnels, on peut jouer en rythmique avec, ouais. Ça peut être cool. Ouais, tu l'as peut en utilisant un slapback, et t'as un mode shimmer. Allez, on aime bien. Super joli le shimmer, je trouve. Attends, fais voir. Ouais. Comme ça. C'est un peu mieux. En fait, ouais, ouais. Je vois ce que tu veux dire, on est un peu sur la première génération de shimmer. Un peu putassier, quoi. Ouais, c'est ça, c'est, c'est je vulgaire. Suis un shimmer, je suis là, voilà, tu m'entends. C'est vulgaire. Sur la Fat Sum, t'as quand même un peu un truc super. Ah ouais, ouais, ouais. Mais ça a le mérite, tu vois, d'être pas trop cher, delay reverb. Mm. Voilà, toi qui aimes bien parler de budget parfois, on testera pas le delay, c'est pas le but de la vidéo, mais ça marche. Ouais. C'est un delay avec une modulation, c'est tout ce qu'on aime. Voilà. Y a pas de tap tempo, mais c'est pas grave. Là, c'est un peu le... Ouais, on est content, on aime beaucoup quand même. Mais c'est compliqué de s'y retrouver quand même. Il y a trois produits. Ouais, mais au final... On a quand même compris. On a compris. Ouais. Moi, de ce que j'ai compris. Vas-y, raconte ce que t'as compris. La SLU. La SLU. C'est une reverb. Il y a un mec qui va dire, non les gars, c'est pas SLU, c'est slow. Voilà. C'est slow. La bleue. La bleue foncée. La bleue foncée, avec la lune dessus. C'est vraiment une reverb typée d'ambiance. Très modulé. Très modulé, on peut travailler justement la texture, la modulation, tout ça. Ouais, et les textures, ce sont avec ce switch-là, voilà. Les trois textures qu'on a à disposition. Exactement. Mais c'est un type de reverb. Ouais. On va modifier du coup derrière les modulations, les textures, les filtres, etc. Ok. La Fat Home, c'est différents types de reverb qu'on connaît du coup avec Hall, Plate, Lo-Fi, tu connais pas, et Shimmer. Et Shimmer, ouais. Voilà. On va quand même du coup pouvoir travailler un petit peu les textures derrière, mais avec ces différents surtout la reverb. Modulation, ouais. Et le X. Voilà. Et la R1, de ce que je comprends, c'est un peu un truc qui fait les deux. C'est-à-dire on a autant des types de reverb traditionnels que des reverb un peu plus... ça fait les deux et plus. Expérimental. Bah oui, oui. Là t'as 4 modes, là t'en as au moins 6, non? De ce que je vois, t'as 6 ouais, modes. Ouais, c'est ça, mais c'est en gros t'en as 5, on va dire, avec ces deux-là, t'en as un en plus... Genre là, il doit manquer spring, tu vois, par exemple, ils ont dû mettre un spring là-dedans. Ouais, t'as un spring là-dedans. Voilà, ouais. Très bien, voilà, ouais. C'est le spring qu'ils ont rajouté. Et surtout, c'est stéréo, avec MIDI, MIDI, stéréo. Ah oui, les autres sont pas stéréo. Et t'as plein, de contrôles, hein, en plus. Donc vraiment, la R1, je pense, c'est très, très, très complète. Ouais. Voilà.
Je te propose qu'on fasse la chose suivante. On prend un preset sur la Fathom qu'on adore, un preset sur la Slew qu'on adore, ouais. Et ensuite on explore tous les sons avec la R1. Allez, vas-y. D'ambiance. C'est ma préférée chez eux, moi. Eh ben, je crois que parce que on avait testé la bleue. La bleue, la Slew. Sans d'autres vidéos, je crois que je préfère la bleue. Et alors les deux vont bien ensemble aussi. Ouais, mais c'est beau. Mais c'est beau, c'est très beau. Donc là, c'est si on recherche vraiment une ambiance quand même, hein, sur la Slew. Ouais, mais autant la Fathom fait des trucs super, autant je trouve qu'elle a du mal à trouver son, comment dire, sa place entre la reverb traditionnelle et la reverb d'ambiance. Tu vois ce que je veux dire ou elle pas? A le cul entre les deux, ouais. Ouais, alors que la bleue, la bleue foncée, est totalement assumée dans le truc d'ambiance. C'est une texture qui est magnifique, je trouve. Et tu vois, avec ce je trouve que c'est le dream vraiment que j'aime beaucoup. Toi, c'est le dream qu'on n'a pas essayé encore. Ah là, elle est partie. Hein. Ouais, ça me parle beaucoup plus. Ça te parle. Ouais. Quitte à avoir une réverb d'ambiance, tu vois. Autant en fait, ouais, une réverb pétée, c'est celle-là, quoi. Ouais. Si je pouvais avoir... Plein de réverb sur mon pédale... Enfin... Bah, c'est le cas. Une place illimitée sur mon pédalboard. Ouais. J'aurais une réverb, genre, on va dire, peut-être pas la caverne, mais un truc... Un truc standard, classe, ouais. Ouais, standard, genre limite, tu vois, une Boss RV, je sais pas quoi. mais oui, tu vois... Dommage, quoi. Hein? Dommage. Non, bah non, parce que ça fait très bien le job. Et d'un autre côté, la bleue foncée ou Maeve Quaker ou ce genre de truc, ouais. Tu vois. Ouais, j'avoue. La Fathom, elle est trop le cul entre deux chaises pour moi. Ouais, mais moi je l'aime bien. Je l'aime bien parce que du coup, tu peux faire aussi autre chose. Ouais, mais. Mais sinon, t'as la R1. Et là, on rentre dans un autre monde. Et en plus, tu peux la contrôler en midi, c'est-à-dire que dans ton board, t'aurais qu'une seule pédale.
Et t'aurais un changement de preset et tout. C'est super. Chose que tu ne feras jamais parce que t'as pas de contrôleur MIDI sur ton pedalboard quand même. Ah non, quand même pas, non. Non, t'es pas intéressé à ce point. Non, non, c'est bon. Non. Bah déjà, j'ai pas de pedalboard. Oui, mais s'il y en a un là, qui a un contrôleur MIDI, bah voilà, tout ça, quoi. Alors, il y a plein de modes. Quand même. Ouais, ça fait le job, carrément. Là, je l'ai un peu poussé, j'aime bien. Mmh. Mais ça fait le shrink-wink qu'on aime bien dans une spring. Alors, on va rentrer dans le dur un peu. Donc là, on est en mode refract, ok. C'est sympa ça. Ah ouais. C'est très, sympa. Très bon, on s'est bien amusé avec la R1. Moi je pense que leur état d'esprit quand même, c'est pas forcément de t'emmener sur les trucs barrés qu'on peut retrouver sur la Slew et la Fathom. Ouais. Je pense quand même l'idée c'est d'avoir une reverb de studio de qualité, tu vois. Ouais. Et de te mettre ça dans une pédale. Pour concurrencer la Big Sky un peu. Je pense, ouais. Pour concurrencer ça sans forcément avoir autant de modes, mais avoir des modes de qualité, quoi. Ouais. Vraiment qualité. Et pour le coup, c'est réussi parce que la spring, t'avais quand même une sensation de spring bien reproduite. Ouais, ouais, ouais. C'est pas une vraie spring, j'en connais des vraies springs, mais c'est quand même bien fait. Ouais. Je pense pour le coup, vous amusez avec la plate, la hall. Il y en a une autre qui s'appelle BFR, apparemment c'est une big fucking reverb. Tout à fait. Voilà, ça a l'air vraiment sympa. On vous laisse explorer. Bien sûr, vous retrouverez toutes les Walrus sur palf.fr, allez faire un tour. Killé, Mooer aussi. Alors Killé, on les a déjà mises. Mooer, j'étais pas super emballé à la base, mais c'est vrai que c'est une bonne alternative. Ah ouais, franchement. Et c'est quand même une marque asiatique qui est sérieuse. Voilà. Ah oui, complètement. C'est bien implanté, c'est sérieux ce qu'ils font, il y a un bon suivi. L'importateur, c'est le même que Killé, ce sont des gens sérieux. Donc en termes de SAV, voilà, c'est pas à jeter votre pédale pour en avoir une autre. Je pense quand même qu'ils cherchent à les réparer, enfin j'espère. Mmh. Et voilà, bah, j'espère que ce comparatif t'a plu, Antonin. Et que ouais, moi j'adore les trucs d'ambiance, tu sais, tout chill, tout calme. Tout chill, ouais. Surtout qu'on vient de se taper une journée avec quelques des vidéos. Fuzz, ouais. Des drives, du rock. Ouais, puis là tu entends que le son ici il est un peu matifié avec tous les absorbeurs et tout. Donc ça laisse la place à la reverb, ça laisse la nous attaquer. Et sur enceinte de monitoring, ça rend bien. Hein. Bah ouais. Ouais. Est-ce que... On se quittera avec toutes les pédales. Il faut. Il faut. Ah là, c'est obligé. Hein ? Allez, à la semaine prochaine. Toutes les...